Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien, il n'y a que des sensations, ça pétille de partout. Alors cette photo, c'est Athènes, c'est contre la Hongrie, c'est des quarts de finale. Donc c'est qui tout double. Et cette photo, c'est tout simplement l'explosion de joie de l'équipe de France parce qu'on savait qu'on était en train de passer un cap. Et puis après, surtout, ça nous réconciliait un peu, même si la finalité n'a pas été la même. Mais en tout cas, on avait cet espoir qu'on pourrait ramener une médaille enfin lors des Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment cette explosion de joie parce que finalement, la Hongrie, c'était aussi un adversaire redoutable. On était libérés et j'en garde un souvenir où moi, je vois ce moment où on l'a fait, quoi. C'est vraiment ça. Décrire ce qu'on a à l'intérieur, c'est compliqué. En tout cas, ça bouillonne de partout. C'est une grande excitation. C'est une explosion, en fait. C'est vraiment cette notion d'explosion de joie. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Il n'y a que des sensations. Ça pétille de partout. On a les yeux qui brillent de partout. Quand on voit la photo, on crie. On est vraiment sans limite, en fait. La place des Jeux dans ma vie, dans ma carrière, ça reste une place unique parce que les JO, c'est vraiment le rêve de tout athlète. Mais beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire que ça reste quand même aussi une compétition où j'en ai fait deux et je suis revenue sans médaille. C'est très balancé parce que quand je suis revenue, tout le monde me demandait les Jeux, alors c'est super. En fait, moi, j'avais vraiment cette frustration et cette déception de se dire, ben, on les a ratés. Donc voilà, j'en garde, en tout cas, j'essaye d'en garder quand même un bon souvenir. Aujourd'hui, je peux rire des moments compliqués qu'on a eus et je peux rire avec mes ex-coéquipières.